On va tester Call of Duty Ghost. Et ouais, c'est parti. Alors là, on se retrouve avec Dimitri juste devant les toilettes parce que c'est un petit peu le seul endroit où on peut être tranquille à la Paris Games Week. Salut Dimitri. Tu vas bien? Salut. Bah oui, ça va bien. Alors, j'ai quelques questions à te poser. Déjà, qu'est-ce qui t'amène à la Paris Games Week? Pourquoi t'es là? Quel jeu tu viens voir en fait? Bah, c'est vrai que c'est un événement que je fais à peu près tous les ans. Je le fais et, avec mon pote et puis c'est vrai que ça. Ouais. C'est surtout pour découvrir les nouveaux jeux qui vont sortir là, un peu voir, un peu. Parce que c'est un peu le seul endroit où on peut toucher un peu avant que ça sorte. Alors, je suis étudiant en art. Et en art design plutôt, l'école s'appelle IARSUP et elle nous forme à être designer dans le monde de jeux D'accord, vidéo. Donc t'es vraiment dans le milieu toi. Donc ouais, je suis dans le milieu et je viens en tant que limite semi-pro. D'accord. Donc et sinon aussi parce que voilà, c'est monstrueux le salon. Ouais, c'est vrai que ça, c'est assez énorme. D'accord, ouais. Ok, alors quel jeu t'intéresse vraiment cette année? Bah moi j'ai pu tester Rise. Ouais. Rise qui est vraiment impressionnant. Ok, j'ai trouvé ça super, enfin, l'idée des gladiateurs et tout, c'est vrai que ça n'a pas trop été fait. Alors j'attends Watch Dogs. Tu fais plusieurs Paris Games Week les précédentes? Ouais, ouais. Ça fait 3 ans que je l'ai fait. Ça fait 3 ans que tu l'as fait? Ouais. Je viens même, j'ai fait les 3 ans de la Paris Games Week et j'ai fait même avant le festival du jeu vidéo. Et bah parfait. Est-ce que tu trouves que d'année en année il y a plus de monde? Ouais, parce que l'année dernière c'était... J'avais été le samedi, mais il y avait à peu près le même jeu. Il y avait à peu près le même nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui, alors qu'on est mercredi. Ouais. Et le problème, c'est que l'endroit là est plus petit, alors que l'année dernière c'était D'accord. plus grand. Et ouais, c'était mieux vrai. Géré. Est-ce qu'il y a plus de monde? Est-ce qu'il y a plus de stands? Cette année, il y a plus de monde. Et l'espace est trop petit, on était mieux dans le. D'accord, il y avait un plus gros stand. Ouais, il y avait un plus grand espace avant. L'année dernière, c'était monstrueux. Tout était réuni dans un seul hall. C'était le hall 3, je crois. Et c'était monstrueux. Take me.
excusez-moi, est-ce qu'actuellement vous avez 10 minutes à perdre pour moi là? 10 minutes c'est beaucoup. 10 minutes c'est beaucoup. Ah bah je sais pas, c'est vous qui avez choisi. Non, c'est pas nous en fait. C'est pas vous? Imposteur. Si, si, non, c'est vrai. Bonsoir, ça va? Comment vit cette Paris Games Week pour l'instant? C'est pas mal? Ouais, c'est vraiment bien, les tapis sont vraiment propres pour l'instant. Alors, je me dis qu'en fin de semaine, normalement, ça devrait être sale. Et en fait, il y a un truc que... mini hamburger au bout avec des petits, avec coca, des petits coca, et c'est vraiment pas mal quoi. Avec des hôtesses qui sont quand même jolies. Des hôtesses, ouais. En fait, il y a des hôtesses qui montent leur boobs. Ça va? Regardez! C'est quoi ça? Bah, on est quand même un peu venu pour les hôtesses qui montent leur boobs. Exactement. C'est ça, il y a tous ces jeux, on s'en fout en fait. Okay. Par contre, il va juste falloir revoir la taille. Que tu te baisses, que vous fassiez quelque chose, parce qu'avec un micro, non. Non, parce que aussi, quand, si quand tu veux. Je me baisse, c'est pour sucer, donc. Non, non, c'est pas pour ça cette fois, désolé. Mais par contre, quand on fait ça tous les deux, c'est très difficile d'ajuster le micro. C'est un faux! Gaël, c'est un faux journaliste! C'est un faux! Arrêtez!